nel box dell'equipaggio che a un'ora dalla fine è al comando della gara. Poi vedremo anche, troveremo anche Fabio Polleschi che ha vinto quattro gare, le ultime 4-24 ore di squadre d'Italia qui, il suo team d'auto, Fabio al comando, ma in questa edizione di settembre abbiamo con noi il Capras, quattro volte vincitore delle Sony Borse, compresa quella di 2017 che si disputa in primavera con Kevis e Fabio Polleschi, a parte il quarto totaggio del proprio lato che pista, abbiamo anche Gregory Morin, che vince e esprime il tuo insieme esperienza in un centro che si compone come vedere vabbè come va male o va male la diversi se lo sei gardi l'altro mia classe è una ben bel percorso normalmente non è fatto male su quella che è il mio corso speriamo se la tua dire che sia attuale che sia qua donc c'è da qui. Oui, j'ai fait le départ. C'était assez mouvementé. Les pilotes sont assez rudes au départ et ils ont l'impression que la course se fait au premier tour. Malheureusement, donc, on est tombé de la 15e à 26e place. Après, on a réussi à remonter deuxième. Puis après, on a grappillé au fur et à mesure. On a constitué une petite avance et maintenant, on essaye de consolider. C'est pas facile. Les pilotes derrière. Les adversaires poussent très fort, après on va voir ce que ça donne. Et effectivement, ça fait deux ans qu'on vient, deux éditions à chaque fois. Donc, une organisée par Marquezan et l'autre par Raphaël. Et donc là, on a gagné actuellement les trois dernières éditions. Donc là, ce serait la quatrième si on a la chance de gagner. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de venir ici. On aurait aimé la pluie, peut-être plus de différence encore. Mais... Ouais, c'est bon. La bande, le classement, non, c'est pas une course facile du tout parce qu'il y a forcément les équipes locales qui sont très fortes. Il y a aussi les Français que vous connaissez. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pilotes français et de Belges qui viennent ici. Donc, au final, on se retrouve un peu tous sur tous les mêmes circuits. Donc, c'est toujours aussi difficile d'être devant. Bien, vous avez trois équipes, qui sont très soirées modales, les professionnels qui se croient, et les autres équipages, les expériences, il y a des équipages qui ont été utilisés pour le classement, amateurial ou généralement. Non, il y a une équipe pro et une équipe jeune. Je demande toutes les équipes qu'il y a dans les propres premières dispositions. Oui, en amateur, oui, là, ils étaient deuxième et malheureusement le kart s'est arrêté, donc ils sont passés troisième. Et il y a Arnaud de Samer en fait qui est juste derrière. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une vedette en France, c'est un artiste, c'est un humoriste qui est très connu en France. Donc voilà, il est là aujourd'hui et il représente la catégorie de gentleman. Peut-être qu'il fera la promotion de ce sport. C'est bon, quindi tra i compagni un altro che si mette a fronte e uno in centro è un successo di squadra perché sono tutti nelle prime 15 posizioni. Merci.